Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 30 de notre incroyable aventure sur Alan Wake 2. Comme d'habitude, de plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. On se met bien, voilà, on se met bien parce qu'on va récupérer notre fusil à pompe. On va se pencher sur la fameuse énigme du verrou parce que... Parce que j'y crois moi, tout simplement. Par contre, il faut que je retrouve la bonne pièce. Il faut que je retrouve la bonne pièce. Ma petite mère, je reviens tout de suite. Ouais, bon, c'est bon. J'ai dit, je reviens tout de suite. Alors, pour moi, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, c'était en rapport avec ces trois livres. Pourquoi? Parce qu'il y a trois livres, on est d'accord? Donc, OVNI, mythe et réalité, partie 1. Observation photographiée. Partie 2. Et partie 3. C'est fait par EC et Temp. T'en peux c'est ! Non. Quincy. Baston. J'ai Baston, Westmore, et le W, qu'est-ce que ça peut être W? LMNOPQ. Dans ces cas-là, Q, c'est... Q, c'est quoi? Ah putain, regardez! Ça repart à zéro! Mais oui, j'ai pas fait attention! Ça repart à zéro à K et L! En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, Q et W. Donc, ça fait... 1, 2, 3... 4, 5, 6, LMNOP, Q, 7. Donc ça fait 7. B, c'est 2. 7, 2. Et Q. W. Bon. 7, 2. Eh, vas-y, flemme, les gars, c'est bon. On va pas poser le problème sur un bout de papier. 7, 2. Ah bah, c'était 3. C'était 3. Voilà. Impeccable. Quoi? Pardon? Alors là, je ne suis pas d'accord. Déplacer? Oui. Le shérif Breaker m'en voudra pas d'emprunter ça. Mmh, un petit coup de pompe, là. Hein, on est passé à côté de la carabine, mais ça, mon petit père... Je peux te dire que je vais pas l'oublier, celle-là. Raccourci. Voilà. Voilà, mon gars. J'aime bien. J'aime bien. Double pump. Là, ça va pomper, hein. Ça va pomper. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais à l'étroit dans ce placard. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien galéré à éviter les possédés. Et j'ai fini ici. Enfin bref, je voulais vous prévenir qu'on a enfermé les frères Koskela en cellule aussi. Ce sont les gourous de la secte de l'arbre. Restez sur vos gardes. Ah. Le FBC va nous envoyer de l'aide? L'aide, c'était nous. Enfin, nous et la maison du lac. Mais on a le matériel du bureau spécialement conçu pour contrer cette menace. Il est stocké à l'arrière. On l'a installé quand les possédés nous ont interrompus. On a des projecteurs, une unité de détention, des trucs comme ça. Le combat n'est pas fini. Ah. La maison du lac? C'est un centre de recherche du bureau, à Cauldron Lake, pour étudier les effets de l'EAM. À mon arrivée, je suis allée là-bas. Tout le centre est perdu. L'ombre a tout envahi. Des tas d'agents sont morts. J'ai failli y passer. Souhaitez-moi bonne chance. Selon le service de la chance et des probabilités, ça porte malheur de souhaiter bonne chance dans ce genre de situation. Merci. Ok. Saga! Putain de FBI, de FBC, d'ordures du gouvernement qui foutent tout en l'air!
Laissez-nous sortir! Vous êtes les gourous de la secte. Pas question de vous libérer. Ok. Alors attends. L'agent Young leva son écritoire vers la lumière. Il y avait tout l'équipement nécessaire. Il cocha les cases, satisfait. Un bruit de l'autre côté du parking vint soudain l'interrompre. Il scruta les ténèbres. Rien. Il revint au formulaire qu'il signa et data. Estevez voulait que tout soit prêt, au cas où. Young appréciait la prudence chez un supérieur. Estevez avait tenu bon, même après la perte de contact avec l'ancienne maison. Young commença à rentrer. Le bureau du shérif n'était pas très grand, mais au moins, il y avait une machine à café. Young était optimiste. Ils avaient même le para-utilitaire en garde à vue. Encore du bruit derrière lui. Plus près cette fois, il se tourna main sur son holster. Il appela dans les ténèbres. Ce bureau a été saisi par le Bureau fédéral de contrôle. Il est interdit de venir ici. Soudain, les lumières vacillèrent, s'éteignirent. Young ne voyait plus rien. Puis, depuis l'intérieur du bureau, les cris s'élevèrent. Oh putain. Bon, ben, c'est ce qui va nous attendre. Ok. Ouais, mais vous, mes petits pères, les gars... J'ai pas la clé. Pas la clé? Wake? Saga, est-ce que vous l'avez? Vous avez mis Logan dans votre histoire. C'est vous-même qui me l'avez dit. Dans l'entre-noir. Écoutez, Grincement arrive. Il approche. Il est presque là. Ma fille est morte à cause de vous. Une enfant! Vous êtes complètement taré! J'essaie d'arranger ça. Et j'y arriverai. Je sauverai tout le monde, mais on n'a plus beaucoup de temps. J'ai besoin du rupteur. Je l'ai, votre rupteur. Vous allez changer ça. Vous allez sauver ma fille. Jurez-le. Oui, c'est promis. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Allez! Faut pas lui donner, putain! Mais elle est! C'est une saloperie de monstre, Saga! Wake! Le voilà! On t'attend depuis un bail, espèce d'ordure! Je vais te réduire en bouillie! Okay.
était là. Il reviendra. Bon, je suis rassuré. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je suis rassuré, les amis. Je suis rassuré, je suis pas fou. C'était bien. Grincement, évidemment, et non Alan Wake. Oh, quel plaisir d'avoir raison. Bon. Grincement est le double de Wake. Il nous a eu. Il a failli me prendre le rupteur. Tout le plan est fichu maintenant. Comment est-ce qu'on a pu se planter ? Un sacré beau merdier. Tu l'as dit, Anderson. Un vrai bordel. Bon, c'est quoi le plan ? Grincement s'est fait passer pour Wake, pour nous berner. Il a bien failli m'avoir. J'aurais dû me fier à mon instinct. J'ai eu une sale impression quand on l'a retrouvé au lac. Quand ce nuage monstrueux m'a attaqué dans les bois, j'ai vu un visage dedans. Wake. Je crois qu'il a toujours été un monstre. Monsieur Grincement. Putain, on va profiler Grincement. Le FBC est habitué à ce genre de choses, non ? Une idée ? Attendez une seconde. Vous avez apporté un objet paranormal sans me prévenir, et puis vous avez failli le donner à une entité hostile ? Je ne vous faisais pas encore confiance. C'était une erreur. Tout comme de croire Grincement. Mais ce n'est pas trop tard. J'ai seulement besoin de mieux comprendre. On est d'accord. Ce serait mieux de se dire qu'on est dans le même camp, non ? Alors dites-moi ce qui m'échappe. Le FBC doit savoir des choses. C'est vrai, on a des renseignements sur tout ça. Malheureusement, c'est ultra secret. Mais bon, considérez-vous comme affilié au Bureau fédéral de contrôle. Voici les clés de la cellule où se trouvent les dossiers. Et bonne lecture. Ok. Merci. Chouette équipe. Ok. L'histoire d'horreur altère la réalité. Selon elle, ma fille est morte ici, alors qu'elle est censée être chez nous en Virginie. Vous savez si c'est... Les EM sont des distorsions locales de la réalité. Les alentours de la ville ne sont peut-être pas touchés. Parfois, ils s'étendent. Parfois, ils disparaissent. Si on arrive à le faire disparaître, votre fille devrait survivre. Ça a l'air dit... J'ai l'impression ça a l'air d'être si un simple. Cauchemar. Je ne peux pas laisser ça détruire ma famille. C'est pas facile d'avoir une famille avec notre travail. Les heures sup, les voyages, les mondes alternatifs qui menacent leur existence. Mon ex-femme n'a pas tenu le coup. Kieran, vous êtes bien mieux sans votre femme. Idem pour moi. Tu te souviens vraiment pas que Logan vivait avec David et moi en Virginie ? Je me rappelle que vous aviez des problèmes, David et toi. Vous deviez faire une pause. T'es venu à Watery avec Logan. Et Logan, ça a été l'horreur. Quand t'es revenu bosser, j'ai pensé que tu serais la meilleure pour cette affaire. Si t'étais d'accord pour revenir dans la région. C'est bon. Ça suffit. L'histoire est en train d'altérer ta mémoire. Tous ces souvenirs, c'est de la fiction. Logan est en vie. Je suis en couple. On n'a jamais vécu ici. C'est ça, la vérité. Non. Wake, Grincement, peu importe qui c'est. Il a dit que l'histoire pouvait s'en prendre à nous. Il faut douter de la réalité. Cela dit, comment tu sais que c'est pas l'histoire qui te donne de faux espoirs ? Je peux pas les convaincre. Pas con ? Je dois juste changer l'histoire. Ok, allez, on va faire du profilage sur l'autre. Oh, ça remplit pour moi, c'est ça ? Allez, on est bien. Je me suis déjà occupé de tout ça. Elle nous régale. Elle nous régale. Ça s'arrête plus. Ok. On est bon. Ça marche pas. On est bon. Et... On est bon. Donc Wake est toujours à New York. Et là, c'est ça qui m'intéresse. Oh, ça va être incroyable.
Il est encore dans l'entre-noir, le frérot. Fuis l'entre-noir. Est-ce qu'il est possible qu'il y soit encore ? New York baigne dans un océan de ténèbres. J'ai plongé. Note de mon éditeur. Tu utilises le mauvais temps. Piégé dans une boucle. Mes amis le croiseront quand je serai parti. Et qui est encore piégé dans l'entre-noir ? Il l'a peut-être toujours été. Ok. Par contre... Lancement se faisait passer pour Wake. Il m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il attendait de moi ? Le retour ! Non ! C'est moi qui commande. C'est mon entre mental. Il est puissant. Bien trop puissant. Sa seule présence ici me rend malade. Comme si la terreur m'envahissait. Je peux sentir sa volonté de récupérer le rupteur. Ok. Eh bé, les amis. On va examiner les dossiers, direction encore le sous-sol. Ah non, c'est pas au sous-sol les dossiers, c'est juste ici, très bien. Allez, on est parti. Voilà, on va voir beaucoup de... Elle a dit bonne lecture, on est mort. Oh, waouh. Transcription de l'interrogatoire au sujet d'Alan Wake, para utilitaire présumé. Vous avez été placé en détention provisoire. Il y a une force ici, mais vous ne comprenez pas une présence. Elle me poursuit, elle veut me dévorer. Tout dévorer. Vous avez déjà mentionné cette ombre noire. Que vous veut-elle ? Elle se nourrit des artistes, de l'art qu'ils créent. Elle me veut à cause de mes écrits. Mais ça peut être toute forme d'art. D'expression artistique, musique, peinture. Ok, on est au courant pour cette entité. Vous avez mentionné un interrupteur, où est-il ? Je l'ignore, mais il me le faut. Impossible d'arrêter ça sans lui. Vous êtes en garde à vue, pas question qu'on vous confie un possible objet paranormal. Vous ne m'écoutez pas. Si je vous écoute, avez-vous des complices ? Allez vous faire foutre, je suppose, laissez-moi sortir. Salope, elle va m'attaquer, on est tous en danger. Ok ? Le lac est un passage vers l'entre-noir. Mais c'est quoi un para-utilitaire ? Bien sûr. L'objet posséderait la capacité de changer la réalité en fonction de quand il est utilisé par un para-utilitaire. Il est difficile de distinguer les effets de cet objet de ceux du site de Cauldron Lake. Ok. A révélé qu'Alan Wake avait éliminé Barbara Jagger. Une manifestation physique d'un on. En insérant l'interrupteur dans sa poitrine et en l'activant. Il est confirmé que l'objet a été utilisé en 2010 afin de transporter des écrits fictifs en réalité. L'interrupteur est un possible ODP, mais l'équipe ne peut pas le classifier de manière concluante sur ses seuls propos rapportés. Ok. Ok. Trouver un nouveau plan. Eh ben écoutez, on est parti, hein ? Wake est piégé dans l'entre-noir. Il m'a contacté et communique avec moi dans les amalgames. Bien. Comment sauver Wake ? Eh ben, on va le savoir tout de suite. Ah, pour plus tard. C'est un peu la déception. Ok. Pour plus tard, c'est un peu la déception. FIB. Ok, Mulligan. C'est infernal. Voilà, allez, ça sera très bien ici. Ok. Dossier du FIB. Ça va pas. Sur les rupteurs. Ah. Très bien. Ça, c'est fait. Les rupteurs augmentent les altérations de réalité suggérées par une œuvre d'art, les rendant permanentes. Très bien, ça, c'est fait. L'ombre noire est vulnérable à la lumière vive. Ça, au moins, c'est logique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah non, ça c'est... Ok, Brightfall. Brightfall.
quel enfer. Brightfall. Ça, c'est tout ce qu'on a trouvé en termes de petites caches. Très bien. Brightfall. On va pas y arriver, c'est infernal. Contine. Brightfall. Brightfall. Ok. Et là, une boîte à repas. Ça n'a aucun sens. Brightfall. Allez, on est bon. J'ai loupé beaucoup de choses. Hein. Trouver un nouveau plan. Mais là, les gars, moi, là, le doute m'habite, hein, pour le coup, non? Je sais pas où. Wake n'est pas la première personne dont l'ombre noire a pris l'apparence. Ok. Wake est le rupteur. Ok. Super. Bon allez, ça devrait suffire. Savoir à quelle information je peux me c'est fier. Bon. Ça peut, c'est maintenant on peut faire un nouveau profil age. Pouf. Enfin. Ouais, les enquêtes, ça a jamais été fou, hein. Wake m'a dit que le rupteur réparerait tout. Wake était en fait grincement. Comment je pourrais croire tout ce qu'il m'a dit? Il faut que l'artiste achève son œuvre. Ça tourne à l'orage avec lui. Il va falloir se remuer les miches. On te l'a déjà dit, gamine. C'est vrai ce qu'a dit Tom sur l'interrupteur. Te laisse pas troubler par l'histoire. Il faut qu'il écrive la fin de ton choix. Le rupteur peut en faire une réalité. Mais on n'a pas Wake. Tout ce qu'on a appris sur le rupteur était vrai. Il mentait pas. Eh ben... Ah, mais là, les gars, je suis... Me v'là fort embêté quand même. Hein. C'est quoi ça? Ok. Ok. Là, on avait des petits trucs, forcément. Je pense qu'ils avaient tout donné pour qu'on survive. C'est évident. Ça, c'est quoi? C'est une cage à spécimens? C'est pour l'ombre noire? Alors, par contre, les potes... C'est bizarre, les gars. Par contre, trouver un nouveau plan... Je veux bien. Franchement, je veux bien. Faut juste me guider. Ça va, toi? Ilmo, je suis désolé pour votre frère. Yako était bon. Il critiquait jamais mes idées, même quand elles étaient ridicules. Il était toujours prêt à aider. Ça reste un méchant, lui, pourquoi il est dehors? Je réfléchis pas avant d'agir. C'est ma faute. Je sais que le moment est mal choisi. Mais il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur la secte de l'arbre. La secte, c'est mon idée la plus dingue qui ait marché. Eh, quel genre de secte choisit de s'appeler secte? Eh ouais. On protège Watery et Bright Falls. On est les gentils. Comme des justiciers secrets. Enfin, disons que c'était l'idée. En fait, on a toujours su pour l'horreur au fond du lac. Quand les possédés se pointent, on les bute. Vous ne changez pas les gens possédés. Vous tuez ceux qui sont déjà changés. Pourtant, vous vouliez tuer Alan Wake. Pourquoi? Rien de bon n'est jamais sorti de Cauldron Lake. C'est à cause de ses écrits qu'il y a eu ce cauchemar à Bright Falls, en 2010. Depuis cette date, des pages de ses histoires remontent à la surface du lac. Et des tas de monstres apparaissent. Tout est de sa faute. Wake, si on l'arrête pas, personne ne fera. C'est le double maléfique de Wake, Grincement, qui nous menace. Pas Wake. Et je compte bien l'arrêter. J'ai jamais entendu parler de Grincement. Quand est-ce que la secte a été créée?
Certaines personnes du coin ont toujours su pour Coldran Lake. Avant nous, c'était les porteurs de flambeaux. Quand j'ai hérité de cette mission, j'ai voulu appeler ça une secte. C'était du génie. Rien que le nom a eu un impact. Ça dissuadait les gens d'aller dans les bois la nuit. C'est la base du business. La peur, c'est un très bon moteur. Ok. Allez, on va faire un profilage. Et il va sûrement nous dire où faut aller maintenant. Il maudit que la secte tue les possédés. Qu'est-ce qui dit la vérité? Des masques de serre achetés en lot. On a un flotteur, un possédé sur la rive. Appelle les gars, Yako. On part à la chasse. La secte de l'arbre veille sur notre ville depuis 2013. Il maudit la vérité sur la secte. Elle luttait bien contre les possédés. On est dans le même camp. Ouais. Si la secte tue les possédés, pourquoi Nightingale en est devenu un? Fiesta privée, sur invitation seulement. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Faut y aller, Yako. Faut jamais faire les choses à moitié. Nightingale est devenu un possédé parce que les Bookers ont interrompu le rituel. Mmh. Ok. Bon, oh, tout va être si long. Je compte bien régler la situation, Elmo. Mais il faut protéger la ville le temps que ce soit réglé. Vous pourriez m'aider. Ouais. Ouais. Je vais appeler la bande. Où est-ce qu'il en reste? On laissera pas ces putains de monstres blesser d'autres habitants. Mon frère sera fier de nous. Merci, Ilmo. J'ai trouvé ma théorie. Je pense que... interroger Estevez à propos du rupteur. Je pense qu'on va juste retourner au lac et on va rentrer dans l'entre-noir. Voilà. Pour y mettre cet interrupteur. C'est une théorie, donc je pense que le prochain épisode risque d'être le dernier. Grincement a dit que le rupteur pouvait changer l'histoire. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez compris? L'interrupteur est un objet surnaturel, peut-être même un objet de pouvoir. Selon des rapports vérifiés, il était entre les mains d'Alan Wake pendant l'EAM qu'il y a eu ici en 2010. Il est bien doté d'un pouvoir, ça, c'est certain. Je peux trouver un plan, j'en trouve toujours. Bon. Déduction disponible. Incroyable. Super. Le rupteur peut régler ça. Mais il faut Wake pour l'utiliser. Thor connaît toutes ces choses. Il pourrait m'aider. Ok. Allez, mon Thor. Comment je peux le libérer? Wake est encore dans l'entrée. On vit et on respire rock'n'roll. Dans les cris silencieux. Dans les rêves trop fiévreux. Le rupteur peut amplifier d'autres arts, pas seulement les écrits de Tom. Tout ce que la passion a pu créer. Le pouvoir sombre du lac transformera tout en réalité. Mais si le détenteur du rupteur croit vraiment en l'art, il peut en faire une réalité en l'activant. Je peux utiliser le rupteur sans Wake. Seuls les écrits de Wake peuvent changer l'histoire d'horreur. Mais je peux utiliser le rupteur pour changer autre chose. Faire sortir Wake de l'entre-noir. Eh ben voilà! Déduction disponible. Tableau d'enquête. On sait maintenant comment le sauver. J'utiliserai le rupteur pour changer la réalité et ramener Wake à Coldran Lake. Il me faut la bonne œuvre d'art, et ce sera pas un problème. Je sais quoi et faire. Ben voilà. Je dois donner aux autres la marche à suivre et tout arranger. Pour de bon. Allez, on va s'arrêter là. Faire part du plan à Casey et Estevez. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A bientôt tout le monde pour la suite de notre incroyable aventure. Portez-vous bien. Bisous. Bye bye.